Tac. Mais après, on a vu aussi nos faiblesses à certains endroits. Donc on a utilisé la représentation la plus symbolique de la peste, qui était les rats. Toute la responsabilité. Hugo, qui est un jeune enfant qui ignore tout du monde, et en réalité est chargé d'un pouvoir et qu'il dépasse. Et comment... Tes combats. Toutes ces phases-là, construisant un rythme narratif. Et on s'est dit qu'en fait, notre meilleure chance, c'était de partir de notre spécificité de français, en fait. I don't know what's happening to me, Lucas. I feel my mind going. Ça faisait une belle incarnation de la maladie, mais pour que ce soit impressionnant et qu'on soit une version amplifiée d'une maladie qui se propage. You should sit down. Oh, so that's all you have to say. Come on. You can do better than that. You have a whole garrison here, why don't you really let yourself go? Stop! No! Do you see the situation we're in? We were just supposed to get herbs. Qui sont les acteurs principaux? It's bleeding again. Yes, we should fix that before it gets infected, I guess. Is it? The bite, yes. They've locked the arena down. They let them die here. Starting all over again. L'évolution du personnage, donc son rapport à la violence. Le but étant toujours d'être plus malin que ses ennemis pour survivre, que ce soit les rats ou des ennemis humains. Très très dur, mais il y a toujours une raison à ça. Ça suit vraiment une forme de logique.